Golf Mag vous est présenté par La Forfaiterie. 1500 forfaits cadeaux, une seule adresse. Cette émission est enregistrée sur les sites du club de golf Le Diamant. À Golf Mag, cette semaine, on consacre l'émission au plus grand regroupement de terrains de golf au Québec, le groupe Baudet, qui compte pas moins de 6 terrains dans la grande région de Montréal. On vous présentera deux de ces terrains, le Victorien et aussi le Diamant, où l'on jouera le trou de la semaine. De plus, au cours de l'émission, dans le cadre de la chronique équipement, je vous parlerai des nouveaux fers Titleist. Et Jérôme Blais, notre pro, vous donnera de précieux conseils pour mieux réaliser vos coups d'approche. Là-dessus, bon Golf Mag! Fondée en 1960 au cœur d'une terre richement boisée de Mirabelle, le Diamant s'appelait anciennement Green Valley. Ce parcours de l'architecte Howard Watson propose des trous uniques, tantôt boisés, tantôt plus exposés aux éléments. En 2013, après une entente de gestion conclue avec le club de golf Le Diamant, le groupe Baudet a développé ce qu'on appelle une nouvelle division prestige au sein de son organisation. En fait, maintenant, l'expérience est surtout axée sur l'accueil global dès notre arrivée ici au club de golf Le Diamant, qui, soit dit en passant, est maintenant ouvert au public, ce qui est une très bonne nouvelle. Ça signifie quoi, le volet prestige dans le groupe Baudet? Bien, c'est une... L'emphase a été mise sur l'expérience globale du golfeur. Donc, que ce soit de l'accueil, la qualité du parcours, évidemment, mais aussi tout ce qui est restauration, ambiance dans le chalet, service aux membres, que ce soit, bon, l'entretien des souliers, l'entretien des bâtons. Ici, au Diamant, on est chanceux, on a une piscine, donc les belles journées d'été comme aujourd'hui, bien, la piscine est ouverte. Certains en profitent pour après souper au restaurant. Là, on a une belle terrasse. C'est très jeune. Il y a toujours de la musique, il y a toujours de l'ambiance. On a mis beaucoup d'emphase sur... le fait que tout le bistrot est vitré. Ouais. Donc, c'est vraiment, on a vraiment misé sur l'expérience globale ici au Diamant. Et un des gros avantages, nonobstant de la qualité du parcours et des installations, c'est évidemment le fait de pouvoir jouer sur les 5 autres terrains. Donc. Est-ce que vous allez vous limiter à 6 ou il y a possibilité pour voir encore plus grand? L'objectif, c'est de grossir. On peut dire que l'industrie est en changement actuellement. Et puis, dans des périodes un petit peu de turbulence, il y a des opportunités. Notre objectif, c'est de saisir ces opportunités-là. Ici, au Diamant, on est l'opérateur et on loue les installations. Puis nous, on peut acheter, on peut louer, on peut prendre un contrat de gestion, mais l'objectif, c'est de grossir le réseau, c'est certain. Bien, c'est toujours un plaisir de venir te visiter ici. Merci. En espérant que les gens vont venir découvrir ou peut-être découvrir le Diamant. Merci bien. Merci. Bonne saison. Merci. Notre conseil de golf de Jérôme Blais est enregistré sur les sites du club de golf L'Express, fier partenaire de Mulligan International, balle de golf récupérée. Lorsque vous achetez un ensemble de bâtons de golf, on vous vend habituellement du fer 3 au pitching wedge, ce qui va vous permettre de parcourir une certaine gamme de distances. Par contre, pour les distances plus courtes, il y a le Gap Wedge, le Sun Wedge, le Lob Wedge et le Extra Lob Wedge qui est 64 degrés. Tous ces wedges-là vous permettent d'aller chercher des distances plus courtes et c'est important de créer le bon ensemble qui va faire en sorte qu'on va éviter les grands écarts entre chacun des bâtons. Je me fais souvent demander quel type de wedge j'ai dans mon sac. Pour ma part, j'ai mon Pitching Wedge, j'ai un 56 degrés et j'ai le Lob Wedge, le 60 degrés. Avec ces trois wedges-là, ça me permet de bien couvrir différentes distances en évitant les grands écarts entre chacun des bâtons. Il faut faire attention, si on passe d'un pitching wedge à un lob wedge 60 degrés, l'écart entre ces deux bâtons-là va être trop grand, ce qui va me demander de faire des ajustements de force au niveau de mon élan. C'est pas l'idéal. Le 64 degrés, le 60 degrés, le lob wedge permet des coups autour du verre par-dessus les fosses de sable. Le 56 degrés me donne un peu plus de distance, mais quand même me permet de lever la balle. Le pitching wedge, lui, me donne un peu plus de distance et me permet de faire rouler la balle sur le verre. Si vous avez un wedge à acheter après le pitching wedge, j'irai avec le 56 degrés, qui a quand même une bonne ouverture pour lever la balle et de la bonne distance. L'idéal, c'est pitching wedge, 56 degrés et 60 degrés. Sur ce, je vous souhaite bon golf et bonne sélection pour vos wedges.
Quel beau trou de golf! Restez des nôtres, Golf Mag se poursuit tout de suite après la pause. On va jouer le trou de la semaine avec le pro ici au Diamant, Marc Giroir. C'est une belle normale 4 de à peu près 400 verges. Voici maintenant notre trou vedette de la semaine. Le septième est une très jolie normale 4 avec deux obstacles d'eau et trois fosses de sable. La précision est beaucoup plus importante que la distance sur ce trou qui s'allonge jusqu'à 395 verges. Alors, tel que promis avant la pause, on joue le trou de la semaine avec le professionnel ici au Diamant, Marc Giroir. Marc, c'est tout le temps un privilège, bien honnêtement, de jouer au golf ou de frapper des balles avec toi parce que tu es un gars expérimenté qu'on a vu d'autres qui a fait de la compétition de haut niveau. Et comme trou de la semaine, cette semaine, tu en as choisi un pas pire, un bon trou de golf. Bien, oui, je pense que c'est effectivement un très bon trou. Là, en ce moment, on a le vent en pleine figure. Alors, c'est sûr que... Au golf, tu sais, les intempéries vont changer le trou. Si on jouait de l'autre côté, ce serait plus facile. Alors là, je veux dire, c'est sûr que ça va jouer un 20-30 verges de plus long, certain. Alors, c'est important de contrôler la trajectoire de balle. À gauche, on a un lac. À droite, il y a une fosse de sable. Et tout près du verre, il y a un autre lac. Alors, c'est un trou intéressant. C'est un trou intéressant et j'apporterai une précision aussi, c'est qu'à 150 verges au centre du verre, l'allée rétrécit. Alors, avec ce vent qui est contre nous aujourd'hui, ça va nous prendre un coup très précis. Oui. Effectivement. Normalement, le vent ici, on va le voir de gauche à droite. Alors, il y aurait tendance à nous repousser de l'eau un peu. Bon, j'aimerais ça faire quelque chose avec toi aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on joue ce trou-là comme si tu étais en compétition, c'est-à-dire que tu nous fasses part de ta stratégie. D'accord. Tant au niveau du coup de départ que du deuxième coup que de la suite. Ça t'intéresse? Oui. Super. Alors, comme Marc connaît très bien son terrain, hein? Ça fait quand même combien de temps que tu es ici, là? Ça fait 8 ans que je suis ici. Alors, il connaît très bien le septième trou. Je vais te laisser les honneurs. Ça marche? Parfait. Bonne chance. C'est officiel qu'il faut se prendre un objectif. Et puis, pour moi, c'est juste à droite de la trappe qui est auprès du verre. OK. Le lac qu'on voit à l'autre bout, on ne peut pas se rendre là. Alors, c'est, okay? On loue. Alors, on essaie centre-droit. Et ça va être une trajectoire de balle un petit peu plus basse aujourd'hui. En raison du vent, évidemment. Oh oui! Oh, elle était pesante, celle-là. Elle était un peu plus haute que je voulais, mais... T'as la bonne place? Bien joué? Oui, bien content. T'as essayé de suivre tes traces, ce qui n'est pas nécessairement évident. Mais Marc, mon souvenir d'aussi loin que je t'ai vu jouer, il me semble que t'as toujours bien frappé le driver. Bien, ça a toujours été un outil qui était que je pouvais me fier. Mais en vieillissant, bien, évidemment, on frappe un peu moins loin, malheureusement, mais... Non, mais tu le frappes de façon... Ça demeure un bâton très important. Tu le frappes de façon efficace et ça, c'est merveilleux. Si je me mets proche de la tienne, je vais être vraiment heureux. Non, tu vas être bien placé. Ben, c'est l'objectif. Ça va être bien placé, celle-là aussi. Je vais apprendre là, Marc. Oui, c'est parfait. On va aller voir ça. Richard. Merci. Bon, bien, c'est ce que je pensais. Je veux dire, t'allais un petit peu haut et t'allais un peu moins loin, fait que ça va me laisser un bon deuxième coup, finalement. Oui, bien, un deuxième coup qui va ressembler à quoi? À 152, 155 verges? Oui, 150 verges à peu près, bien, regarde. On va regarder ça avec la technologie aujourd'hui. C'est plus facile, ça sauve du temps un peu. À peu près 155. 151. Ah, 151. Avec un petit vent défavorable encore une fois. Puis la hauteur du verre pour toi, est-ce que c'est négligeable? Est-ce que tu vas prendre un bâton de plus non, en fonction? Non, la hauteur du verre, non. Là. Écoute, en temps normal, c'est un fer 8 pour moi. OK. Là, ça peut aller un fer 7, mais ça pourrait même aller un fer 6. Mm-hmm, un petit vent, hein? C'est sûr que ça va dépendre de quelle sorte de coup que je vais essayer de jouer. Un fer 6, il faut qu'il soit truqué un peu, là. Mais je pense que je vais aller avec un fer 7, un fer 7. Je vais le faire normal. Ah oui. Tiens, là. Magnifique.
Get up. Ben oui. C'est bon, ça. C'est bon. T'as fait dedans. Il y a deux de fait. Ouais. Bon, mais on va aller à ta dive monstre. Ben, c'est parce que le vent a dû tomber un peu, là. Je vais te mesurer ça, Dan. Ah, c'est gentil. Ça dit quoi, 122, 100... T'as 119 ici. Oh, 119. Fait que je veux dire, c'est un coup un petit peu plus simple que le mien. Bien, effectivement, la distance à parcourir est moins grande, puis je sais pas si c'est de la chance ou quoi, mais il me semble que le vent est tombé un peu. On dirait, hein? Je regarde la cime des arbres, là, je me suis pas au drapeau. Moi, je regarde en haut, puis ça bouge pas trop. C'est assez léger comparativement à ton... On est fin avec les invités au diamant. Hein? Hey, ça, ouais. C'est extraordinaire. On baisse le vent pour les invités. Tu m'as dit combien? 119. 119, ça va être un P, un petit pitching wedge. Ça a l'air beau, ça s'en va dans le trou. Ah! C'est un excellent coup de golf. C'est ce qui arrive souvent quand on a un petit ouais. vent de face. Hein, oui, puis là, il y a eu de la pluie dans les derniers jours, alors le vent, sont très réceptifs. Là. OK. Et c'est un bon coup de golf. Excellent. Merci. Restez là. Golf Mag se poursuit après cette courte pause. C'est quand même un verre qui a certaines ondulations. Regarde, vers l'arrière ici, vers le devant, jusqu'au devant. Oui. Juste à cause du drapeau. Quand je suis certain, excellent c'est... Excellent coup, hein? Merci, bien, pareillement. Ça va me prendre un bon roulé, Daniel, pour essayer de t'égaler, d'après moi. T'es en bonne position de birdie. Mais je suis pas inquiet pour toi. T'as tous les coups dans ton arsenal, Marc. Tu veux que je t'enlève le drapeau? Oui, j'en aurais pas besoin. Parfait. Là, j'aimerais ça qu'on poursuive ce qu'on a bien amorcé tantôt, point de vue stratégique. Je veux que tu nous racontes un peu le roulé qui t'attend. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ton approche dans ce genre de situation-là? Écoute, moi, de toute façon, ici, les verres, je les connais assez bien. Si je dépasse le trou, je sais que ça va descendre, ça va me diriger vers la frise. Alors, c'est sûr que je veux pas ça, mais je serais surpris de passer 3-4 pieds à gauche, 3-4 pieds à droite. Mais la distance, c'est facile lorsqu'on est à 25-30 pieds d'être trop fort. Fait que pour moi, là, je veux que ma balle aille mourir au trou. J'essaie pas de frapper ça dans le fond du trou, là, pas du tout. Alors, juste avant que Marc s'exécute pour son roulé, là, remarquez bien, Marc, tu nous as joué des coups droitiers depuis le début, mais tu n'es pas de gaucher. Est-ce que c'est nouveau chez toi, ça, ou non? À vrai dire, c'est nouveau, oui et non. Moi, il y a plusieurs années, je ne suis pas gaucher. OK. Et puis, je suis gaucher. Mon œil dominant, c'est gauche. J'ai une meilleure sensation gaucher. Et puis, à un moment donné, j'ai suivi un peu l'air Langer. Tu sais, il y a plusieurs années, on a vu Bernard Langer poter comme ça, droitier, j'ai poté de même. Il a poté avec ancré, j'ai fait ça aussi plusieurs années. Puis, bien là, comme on sait, maintenant, c'est banni de poter, pas les longs poteurs, mais de façon ancrée, depuis janvier 2016. Et puis moi, en 2015, j'avais décidé de prendre l'avance, de retourner poter comme avant. J'ai un bon sentiment. D'ailleurs, je pense que je vais réussir mon pote. Ah, j'aimerais ça. Go. Il vient d'allonger le mien. C'est beau. Beau bird. 25 pieds. Je l'ai dit, il a tous les coups dans son arsenal. J'ai chanceux un peu. Non, non, arrête ça. Les bons joueurs font leur propre chance. Incroyable. Il n'y avait pas de skins là-dessus, c'est pas si pire. T'as dit tantôt, Marc, que ça coulait un peu vers là, ouais. C'est ça? Oui, oui. D'ailleurs, ça, on peut le voir sur les verres par la couleur. Hein? Par le côté pâle, côté c'est plus ça. Foncé. C'est ça. Lorsque c'est plus pâle, on voit que le grain s'en va par là. Si on retourne de l'autre côté, c'est plus foncé, ça va être plus lent. Alors là, c'est... C'est plus rapide. C'est assez plat. D'après moi, ça va... Assez plat. Je vais dire le contraire de ce que ça va faire. Comme ça me donne des chances. moi, je vois ça en plein cœur, droit, tout au plus peut-être centre-gauche. C'est pas mal ça, je pense, centre-gauche.
Hein? Je t'ai taillé! On a pris un trou difficile, finalement, ah oui. Deux birdies. J'adore ça, bravo, Marc. C'est le fun. Deux birds au septième, ça doit être rare qu'on voit ça. Ben oui. Je veux dire, c'est officiel que si on regarde les bons joueurs puis les classes, ils se font des birdies sur n'importe quel trou. Ouais. Mais quelqu'un qu'on va dire ici qui va faire un birdie au septième ou au dixième ou évidemment au dernier trou, mais tout le monde est toujours content d'en faire un. Mais ici, c'est difficile, un des bons trous. Ben, là, tu vois, aujourd'hui, on le jouait différemment parce qu'on avait un contre le vent. Parfois, on le joue plus court. Dans ton cas, il ne s'est pas joué très, très long parce que tu as frappé un très bon coup de départ. Mais c'est un coup de départ qui est exigeant. Comme tu as pu voir, tu l'as frappé loin. Mais si tu manques un petit peu... Il peut être dans le trouble. Et voilà. T'sais, fait que là, c'est chip out, ou etc. Génial. Marc, merci infiniment pour tous ces conseils. J'espère que ça vous a plu à la maison. Tu es disponible ici pour des leçons, toi, quoi? Oui, moi, je suis ici le plus souvent possible. On me retrouve souvent au terrain de pratique, alors les gens peuvent me téléphoner, téléphoner au club. Je suis disponible pour eux. Merci, Marc. C'est moi qui te remercie. Merci de la partie. Un autre parcours que nous désirons vous proposer cette semaine est le Victorien. Il se démarque des autres par son design à la fois moderne et traditionnel, où la présence naturelle d'arbres et de vallons a été savamment exploitée. Véritable parcours de championnat, avec ses 7028 verges, il a séduit tous ceux qui en ont fait l'expérience. On peut aller au Victorien 10 fois, 10 jours différents, et ça va être une expérience complètement différente exactement, à chaque fois. Exactement. Exactement. C'est ce qui fait la beauté du Victorien. Les gens qui n'aiment pas jouer dans le vent, ils trouvent leur compte quand ils ventent un peu moins. Mais ça fait partie du jeu, le vent. Ça fait un défi plus grand. J'ai des trous préférés, entre autres le 18e. Pour moi, le 18e, c'est un des plus beaux trous de finition. Si tu me parlais personnellement de tes coups de cœur au Victorien, quels sont tes trous fétiches, ceux que tu apprécies particulièrement? Moi, c'est les trous les plus difficiles. Tu parlais du 18e, effectivement. Souvent, on a le vent de face. Le 7e trou est très demandant. Et c'est un des trous que je préfère parce qu'il faut doubler de concentration parce que souvent, on a le vent aussi de face. Il ne faut pas tenter de frapper notre fer neuf qu'on frappe 120 verges, de frapper 120 verges au Victorien. Il ne faut pas avoir peur de prendre un ou deux ou trois bâtons de plus. On coupe le bâton un petit peu, on ne force pas beaucoup. La balle va moins lever et puis ça va donner des très bons résultats. Génial. Bien, Martin, au plaisir de se croiser très bientôt au Victorien. Puis on va inviter, bien sûr, nos téléspectateurs à aller faire un tour et apprécier votre endroit. Merci, Daniel. Très gentil. À la chronique équipement cette semaine, laissez-moi vous présenter le plus récent des fers chez Titleist. C'est le AP2, la série 716. On a connu précédemment le 714. Bien, ça, c'est le dernier né. Et je dois vous dire que bien malin celui qui va faire la distinction parfaite entre le 714 et le 716 AP2. Si Titleist a obtenu autant de succès sur le circuit de la PGA, notamment ces dernières années, c'est surtout aussi en raison du look indémodable de ses fers, et c'est la raison pour laquelle plusieurs joueurs l'utilisent. Entre autres, Jordan Spieth, Kevin Na font partie de l'écurie Titleist qui utilise ces bâtons-là. La grande nouveauté du 716 AP2, c'est qu'on a inséré deux pièces de tungstène de haute densité aux extrémités de la semelle. Ça a comme objectif essentiellement de bien équilibrer le bâton et d'éviter toute forme de torsion ou du moins l'amoindrir énormément lorsqu'on frappe la balle de façon plus ou moins précise. Les ingénieurs ont aussi abaissé le centre de gravité qui est parfaitement centré. Ça a comme objectif de permettre aux golfeurs d'obtenir plus de vitesse d'élan, d'améliorer la qualité de l'impact et ultimement avoir la meilleure hauteur de balle possible. Vous allez remarquer également la bordure, le périmètre ici, qui est bien en évidence avec une légère cavité. Bien, cette cavité-là, ce pourtour-là, permet, selon Titleist toujours, d'avoir plus de souplesse lorsqu'on exécute un bon coup de fer. C'est un bâton à essayer, certainement un des bâtons les plus populaires sur le circuit, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous l'avez sans doute remarqué au cours des 30 dernières minutes, le club de golf de Diamant est vraiment un très beau parcours. Très certainement classique, vous allez dire, mais moi, ce que j'aime personnellement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de trous qui se ressemblent et on doit faire un choix de bâton judicieux à chaque coup. Et moi, personnellement, ça me plaît énormément.
En terminant, je vous rappelle, avez-vous noté notre indice de la semaine pour courir la chance de nous accompagner à Dubaï en septembre prochain? Bien, c'est toujours le temps de le faire. Je vous souhaite bonne chance et je vous invite bien sûr à aimer notre page Facebook Golf Mag ou simplement me suivre sur Twitter. Bonne semaine à tous et bon golf! GolfMag vous a été présenté par La Forfaiterie. 1500 forfaits cadeaux, une seule adresse. Cette émission a été enregistrée sur les sites du club de golf Le Diamant. En terminant, voici ma citation de la semaine. Vous savez, on a déjà à peu près tous utilisé un fameux mulligan lors d'une partie de golf. Bien, Jim Bishop, lui, avait sa propre signification en ce qui a trait au mulligan. Il a déjà dit que le mulligan, c'était un terme inventé par un Irlandais voulant frapper une autre motte de terre à 20 verges. Ben, tant qu'à moi, aussi bien de prendre un autre mulligan. Bonne semaine!